Salut! Nouvel épisode de notre Let's Play sur Zelda Breath of the Wild. Quels sont les challenges, tout ça. On est... Oh là là! On est dans la forêt du lag. On est dans la forêt Korogu. Et là, on a des princesses de la sérénité. Je veux dire... Oui, bien sûr. Oui, on a l'épée de légende. Hein, la Master Sword, Excalibur, tout ce que vous voulez. Elle est là. Là-bas, elle est en photo en plus, elle est belle. Mais, comment vous dire? On va aller voir Noya. Tu n'es pas Noya, toi. Oui? Nom d'une... Tu es... Impossible! Le héros est parmi nous! J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. C'est donc un présage de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. Bien, parlons des épreuves Korogu. Quoi donc? N'a pas encore touché l'épée? Mais enfin, ne perds pas ton temps ici, alors. Allons, on va voir l'épée plantée dans le socle. Les épreuves Korogu attendront. Oh, je me fais rect. Putain, je me suis fait rect, quoi. Non, mais j'avais dit Noya, moi. Noya, il est là. Ouais. Ouais, Noya, je me rappelle la zone où il est. Mais il a envie de danser. Youhou! T'es tout nu? Oui, t'es super. Moi aussi, on est tout nus tous les deux. Youpi, ouais, super. Non, mais par contre... Non, mais ok, bon, d'accord, ok, d'accord. Non, mais ça va, j'ai compris, je vais mettre un t-shirt. Non, tu viens de voir, ouais, une petite noisette. Comment on se retrouve? Ah, voilà, on met le t-shirt sponsorisé. Tu ne dis rien, c'est moi. Ah, Noya, le musicien de la forêt Korogu. Quoi qu'il en soit, je te félicite d'avoir franchi les voies perdues. Alors, est-ce que t'en as trouvé des noix Korogu? Ah, t'en as? Ah ouais, ça sent la noix Korogu. Ouais, elle a grandi ma sacoche, ouais. Allez, bah tes conneries. Oui, non, c'est bon. Putain, à chaque fois qu'on lui parlera... Bon voilà, les moments où on parlera à Noya pour améliorer notre sacoche, pour agrandir notre sacoche, les compartiments, voilà, des armes, des arcs, des boucliers... 12 noix, oh là là. Ce seront les moments où voilà, on pourra mettre des tenues. Vous pourrez vous montrer un peu les tenues du jeu. Ouais. Voilà, parce que sinon on peut pas lui parler. Sinon on peut pas améliorer les trucs. Quel enfer. Oh, 17. Bon, je continue encore, mais après on va passer sur les arcs, je pense. On va mettre peut-être un pour les boucliers. En plus. Voilà, parce que là, arme, bon, j'ai 3 barres. 3 lignes. Ah, c'est combien maintenant? De toute façon, je peux pas. Oui, si, vas-y, bouclier. Juste un. Ouais, voilà. Parce qu'on va pas améliorer souvent les boucliers. C'était pas assez. Ça pas encore. Pas trop de place. Mais bon, en même temps. Ah, si, on avait une barre complète. Pas une ligne. J'arrête. Hein. Faut que j'arrête. Hein. Enfin, c'est une barre. Mais... Bref. Bon, les arcs. 3 noix. 3 noix pour les arcs, c'est honnête. Si on a bientôt plus de noix de Korogu. Vous voyez, ça part très vite, en fait. Hein. Là, maintenant, il me demande 25 noix pour les armes. Donc, en même temps, ça part vite. Faudrait que j'améliore encore 2 fois. Ce serait bien. Hein. Normalement, on peut améliorer 2 fois. Là, c'est 5, puis après, ça va être 8. Donc, il m'en restera 5. Je pourrais même encore améliorer les boucliers. Est-ce que réellement, on en a besoin? Non, mais les arcs, c'est bien. Bouclier, bon, bouclier, oui, ça peut être utile d'en avoir, mais voilà. Ouais, 8 noix, voilà. Comme ça, on est un peu mieux déjà niveau stuff, niveau place. Soit à partir d'un certain moment, t'es pas obligé de tout maxer pour vraiment... Enfin, voilà, moi, je veux tout maxer parce que sinon, ça me stresse, mais... parce que sinon, voilà... J'ai toujours l'impression de manquer de place, et même de toute façon, quand c'est maxé, genre... voilà. Mais... bon... De toute façon, on va quand même privilégier les armes. Là, je pense qu'on est déjà pas trop mal. Même si on a grillé toutes nos noix Korogu. Quasiment. Je crois qu'il nous en reste 2. Ouais. Non, bah, je peux plus. Salut. Voilà. Bon, l'épée.
Après, c'est un tatarlude. Allez. Ah oui, non, mais par contre, le t-shirt, fallait enlever. C'est terrible. Non, mais il fallait que j'enlève le masque Kurogu. Le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. Pire tenue de cinématique. M'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais Spider. Sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Avec ce masque de mort là. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons voir si tu en es capable. Non. Non, non, mais non. 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 Non, je suis désolé, non. Alors déjà. Déjà. On va faire un truc. Il a fallu que ça tombe pile à ce moment-là. La cinématique. Toutes les réactions de Link, c'est le masque Kurogu. Ah, regardez, hein. Super. J'abandonne. Pourquoi tant d'appréhension? On n'est pas capable de retirer cette épée quand on... Quand... Hein? Pas capable de retirer cette épée quand on le croit, mais quand on le sait. Oui. Ah, mais je sais que je suis... Non, mais là, je suis pas capable, hein. T'inquiète. Hein. Et même si tu mets des cœurs dorés, ça marche pas. Ça marche pas, ce truc. Passe les épreuves, oui. Oh, héros d'Hyrule, les Kurogu ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Elles sont une difficulté sans égale, mais si tu les réussis, tu pourras retirer l'épée légende comme si elle a été plantée dans du beurre, enfin espérons. Bien bien, souhaites-tu te soumettre aux épreuves Kurogu que nous avons préparées pour toi? Ouais, go. Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans savoir de quoi il s'agit, ça te jouera des tours. Pour revenir à ce sujet, quelles sont les épreuves Kurogu? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Kurogu. Épreuve numéro 1 au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2, au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3, à l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Une récompense à la clé, bien sûr. Cède à ta cupidité, sois matérialiste. Et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super, bon courage. Ah, merci. Hein. Oi. Macus est sur le coup. Quoi. Bienvenue. Quel grand bonheur, ami héros. Je suis Macus, je peux t'aider sur toutes les questions sur la forêt. Tu veux parler à l'arme Mojo? Facile, comme tout, y'a qui a grimpé là-haut. Parle-moi de l'épée. La lame purificatrice, celle qui... Il y a que toi qui... que tu peux la brandir. Celle qu'il y a que toi que tu peux la... C'est bon, tu l'as retrouvée. On s'est donné du mal pour que personne d'autre puisse la trouver. Comme ça s'est passé,
Comment ça s'est passé? Dans les bois perdus? Tu t'es pas trop perdu? Oh, attends, je suis bête. Bien sûr que non, parce que t'es là. Quel corneau. Tu veux encore... Non, c'est bon. Salut. Je vais aller parler... Enfin, bon, je vais pas aller parler à l'homme Mojo, mais je vais monter dessus, quoi. Salut. Hein. Ah. Un peu trop. J'en ai peut-être demandé un peu trop, là. C'est bon, ça passe. Donc voilà, bon, on a des épreuves hein, pour les sanctuaires ici. Il faudrait qu'on en fasse au moins une, parce qu'on ne peut pas se TP à l'intérieur de cette forêt pour l'instant. Mais je crois qu'il y en a un pas loin, ceci, en fait, de mémoire. Qui est juste pas une épreuve. Parce que en vrai, tu pouvais te TP dans cette forêt de monts. Je suis sûr que tu pouvais te TP. Qu'est-ce que je fais? Ça va mal tourner. Ouais, quoique. Bah non, en fait. En fait, tout va bien. MDR. MDR. Non, c'est bon. Oh, y'a des fées! Oh, oh! Attendez, hein. Attendez, hein. Les fées. Les fées d'abord. Hein. Les fées. Je spamme le bouton. Je spamme le bouton. Je chope toutes les lucioles, mais moi je veux les fées. Les fées. Les fées. Moi je se casse. Mais revenez. Comment je les chope ces fées? Non mais là il faut qu'on m'explique comment on est censé choper ces fées là. Genre regardez, c'est intolérable. C'est intolérable ce qui se passe là. Moi, la seule technique que je vois. Ah, voilà. Cette technique que je vois, ça a vraiment fait fuir une fée, quoi. Mais c'est de grimper là. Sauter. Et de la choper en vol. Hein. Voilà. Écoutez, combien on a de fées? Deux. Pas assez. Dodo, non, réveillé. Salut. Hein? Oh là là, mes yeux sont fermés tout seuls. Si t'es venu à moi, c'est que tu veux subir l'épreuve ultime. Je suis prêt. Que l'épreuve ultime commence. Tu dois m'apporter les objets qui correspondent aux indices que je vais te donner. Qu'est-ce qui est petit, rouge, rond, croquant et sucré? Trouveras-tu la réponse? Trouveras-tu pas? Si l'objet que tu poses sur la feuille est la bonne réponse, je danserai. La feuille, oui. Alors attention, un objet. Rond, petit, rouge, sucré. Est-ce que ce ne serait pas une pomme? Une pomme! Une pomme! Nom d'une noix, la danse de la bonne réponse. Question suivante. Quel légume bien robuste est originaire du village de Cocorico? C'est les carottes Iger, non? Je crois. Oh, j'en ai plus. Carotte Tempo. Les citrouilles. Citrouille Armo. J'en ai plus non plus. Coup dur. Raté. Bon, on retournera le voir. Ouais. Pas très ouf. Hein. Ok, mais en fait là je suis pas du tout là où je voulais être, je pense. Si, je suis tout en haut. C'était là tout en haut. Hein. Je voulais souvenir qu'il y avait un coffre. Je voulais qu'il y avait un coffre à un endroit. Mais peut-être pas. Hein. C'est cool. Voilà, il est là le sanctuaire. Il y a quelque chose ici, des champis. Ouais, bon. Pas très ouf. Mais au moins, voilà, là on a un sanctuaire, on va pouvoir se TP d'ici, et ce sera pratique. Donc en vrai, est-ce qu'on fait les épreuves Kororo maintenant? Ce qui fait du coup qu'il y a 4 sanctuaires d'ailleurs dans la forêt Kororo. Je sais pas si on fait les épreuves maintenant, on va peut-être au moins en faire une ou deux. Parce que comme ça au moins, ça fait des sanctuaires. Étoile en ombre. Oh, ah oui! Ah bah ça, je m'en rappelle. Ah, attendez. En fait, je m'en rappelle. Mais je m'en rappelle plus. Oh, je m'en rappelle plus.
Les étoiles seront ton guide avec ton destin, leur nombre coïncide. Je sais que j'avais galéré de ouf. Ah oui, non, je crois que c'est le nombre d'itérations de ça, de ce symbole-là, par exemple, sur le truc. Donc là, par exemple, ce symbole, c'est ça. Donc on le retrouve là, là. Donc 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6, non. Attendez, non, parce que ça, c'est un autre symbole. Donc 5. Voilà, et on indique avec les trucs... ok, très bien. Je peux pas te gourer dans le sens. C'est avec le nombre de torches, c'est indiqué. Ok. Alors, maintenant, ce symbole-là, 1, 2, 3. 3. Tac. Ok. Ce symbole-là, je le vois une fois. Je le vois qu'une fois. Donc, c'est réglé. Rentre là-dedans, c'est bon. Et ce gros symbole de mort, je le vois qu'une fois aussi. Deux fois. Très bien. Donc là, normalement, ça devrait ouvrir la porte. Et là, alors là, le sanctuaire est terminé. Bon, on n'a pas eu de coffre. Non, parce qu'il y a une deuxième épreuve. Épreuve cachée pour avoir le coffre. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut retenir. Donc 1, 2, 3, 4. 4, ça va être 4, 2. 4, 2, 2, 1. On va tenter 4, 2, 2, 1. 42, 21. Voilà. Alors, on a dit 2 là. 4 là. Donc 2 et 1, évidemment, c'est inversé. C'est quoi, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Et normalement, là, on a le coffre. Voilà. Non, c'était le temps que je me rappelle la mécanique. Mais je sais que la première fois que j'ai fait ce truc, j'y ai passé 15 minutes, je crois. Parce que moi, je comptais le nombre de points. Comptais le nombre de points en me disant, bah, dans cette étoile-là, il y en a 5, et dans cette étoile-là, il y en a 7, mais comment je fais un 7? Parce que je crois qu'il y en a un ou ça... Ouais, voilà, celle-là, là j'étais en mode... Ouais, mais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc je crois que j'avais eu le 3. Enfin, non, c'était n'importe quoi. Donc là, on est bon. Voilà, on est bon. Même on a eu une nouvelle arme. Parce que là, on a plus de place dans les armes. C'est incroyable. Regardez cette place qu'on a. C'est nul. C'est nul. Mais bon. Ok. Un sanctuaire de fées. C'est pas mal. Ouais, plus qu'un emblème de du triomphe pour avoir un nouveau réceptacle tendu de cœur. Réceptacle de cœur. Mais ouais. D'ailleurs, il faut qu'on aille à Elimite aussi. Maintenant que j'y pense. Faut qu'on... Il y a quand même 2-3 trucs, 2-3 quêtes. J'ai quand même envie de les faire, ou en tout cas de les commencer pour les avoir dans ma liste. Donc il faudra qu'on retourne au village d'Elemet. Parce qu'on n'a rien fait là-bas. On a juste acheté une maison. Puis basta. On est venu, on a acheté une maison et puis on est parti. Pourquoi j'ai pris ça? Alors, on va aller dans une direction au pif et on va voir l'épreuve que c'est. Ça me paraît bon plan. Hein. Je pense que c'est un bon plan. Le seul truc, c'est si je tombe sur le... Ouais, ça c'est là c'est la route de sortie. Ouais. Voilà, donc juste il fallait pas aller par là quoi. Parce que là je vais me retrouver dans les bois perdus. Mauvais bail. Voilà, on récupère des grenouilles tempo. Donc là il doit y avoir une épreuve. Allez. Enfin, on va tenter des épreuves au pif, on verra bien ce que ça donne. Le fond vert est éclaté. Là ça va. Puis il va y avoir un moment où ça va plus aller du tout. Non, j'aime pas cette musique par contre. Ah, si on est tombé sur la pire épreuve dès le début, je vais mal le vivre. Je suis où là? Ah, salut. L'épreuve est par là. Oh, un lien qui essaye de passer les épreuves Korogu. C'est grave? Grave ou c'est pas grave? Oh, on s'en moque. Tu veux te soumettre aux épreuves Korogu? Ouais, ouais.
Youhou, tu vas vraiment le faire. Oh là là, c'est fantastique, alors écoute bien. Je vais t'expliquer en quoi consiste l'épreuve d'ici, alors sois attentif et ouvre bien tes longues oreilles. Tout ce que tu dois faire, c'est avancer dans la brume de... dans la forêt sans te perdre dans la brume. C'est facile, hein? Hein, c'est facile. Eh, pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu es mécontent? Enfin, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'en ai un indice pour toi, tu vas bien aimer, tu vas voir. L'arbre rongeant le fer connaît la direction. Seras-tu sensible à son pouvoir d'attraction? Alors, comment j'étais comment? Trouve que c'est pas que c'était épique. Garde bien ces mots en tête et en route. Non, c'est pas ça, c'est ça que je voulais faire. Allez, épreuve du fer, du coup. Ça va. Ouais, et voilà. En fait, en gros, il va falloir suivre les arbres qui contiennent du fer. Pour ne pas se perdre dans la forêt. Voilà, par exemple. Là, ils sont mignons, mais... Ouais, c'est par là. Ou c'est peut-être derrière. D'accord. Après, en vrai, il y a tellement moyen qu'il y ait des coffres. Mais pour l'instant, en tout cas, visiblement, ils sont pas en fer. Hein. Non, mais je sais qu'il faut que j'aille par là. Hein. Hein, voilà, le jeu. Parce qu'il a le TP facile, le jeu. Hein. Ok. Le problème, c'est que là, je sais pas dans quelle direction aller. Non! Mais non, c'est dégueulasse, ça. Je recommence où? Dès le début? Depuis le début? Normalement, oui. Hein. Et ouais. Et ouais. Ok, donc là, c'est ça. Ensuite, c'est vers là. On va prendre les bombes. Hein. Prendre celle-là. Ensuite, c'est là. Putain, pourtant, je suis pas beaucoup écarté de l'arbre, hein, vous avez pu voir. Toi, tu dégages. Ah, oh, vraiment. Merci. Ok. Je reviens en arrière. Hein. Bah, c'est une arnaque. Pas du tout. Non, non, c'est le bon chemin. Oh, je mets pas trop ce qui se préparait là. Oh, vraiment. Ok. C'est bon. Ah, attendez, j'ai peut-être des photos à faire. Là. Les perrouillés, non. L'os de beaucoup blin, oui. Voilà. On prend des photos. Ah, ça, l'espace. Non. Enfin, l'albarde. Bouclier. Bouclier rouillé. Un peu de tout. Hein. Ok. Ah oui. Dépose en son sein le bouclier ancien qui protège les monstres ressuscités. Voilà, donc là, petite indication de. Si tu veux avancer dans la quête, il faut que tu fasses ça. Que tu chopes ça. Et que tu le mettes dans la bouche du truc. Petite récompense. Ah mais des récompenses nécessaires visiblement quand même à l'activation du sanctuaire. Enfin en tout cas la suite du... du game. Ambre brute. Ouais. Ah super, ouais. Merci pour le cadeau. Ah bah là j'ai un éventail Korogu. Parfait, je pourrais vous... Voilà. Finalement, je m'aurais servi à quelque chose. Ah bah il y en avait un posé, mais... Non, mauvaise direction. Voilà. C'est super. Hein. Donne mon coffre au trésor en offrande. Oh, super. Ouais, super. Vous savez quoi. Au moins, on pourrait peut-être déconner, quoi. Non, mais...
je veux bien rigoler deux minutes, mais... Oh, et puis merde. On va le retrouver, le corps. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui, il est là. Il est là, le coffre. C'est bon. Ça passe. Non, mais écoutez, moi, je veux dire, il y a un sanctuaire qui apparaît, là. Hein. Je veux pas chercher à comprendre pourquoi. Le coffre était à peu près placé. C'est bon. Ah, ok. Bon, bah, deuxième sanctuaire. Deuxième sanctuaire. Il a été rejeté, le coffre. Ouais, c'est un gros coffre. Mais attendez, il y a un escargot, là. Sanctuaire de Kun Shidaji. Allez, go. Donc là, on est à 8 coeurs. Hein. Parce que du coup, bon, je vous spoil, entre guillemets, pour l'épée de légende, il faut avoir un certain nombre de coeurs. Je vais pas chercher à en avoir plus qu'est nécessaire. Et techniquement, en fait, on... Voilà. Techniquement, on pourrait, en fait, mais... Mais non. J'ai pas envie de faire ça comme ça, là, maintenant. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors, par contre, je sais plus si c'est le cas pour tous, mais là, bénédiction, du coup. Là, bon, bah, l'épreuve, c'était de trouver le sanctuaire. Ce qui se conçoit. Ce qui se conçoit, en soi. Donc, on est à 40 sanctuaires. On a fait enfin un tiers des sanctuaires. 33% des sanctuaires ont été faits. Bon. En vrai, ça va. En vrai, bon, c'est pas non plus dégueulasse. Mais... Bon, par contre, est-ce qu'on continue? Ça, c'est l'autre question. C'est est-ce qu'on continue nos conneries ici ou pas? Je pense qu'on va juste faire encore une autre épreuve. En fait, il y a une épreuve que j'aurais bien aimé faire maintenant. Et une épreuve qui m'emmerde. Une épreuve qui me fait... Oh, oh là là, elle est pénible, cette épreuve. Une épreuve, ça va, mais une épreuve, oh là là. Oh là là. Sauf que avec mon bol, je vais partir du mauvais côté, quoi. Pour moi, c'était sud-est. Non, mais par contre... Oui. Donc c'est par là. Ok, ce serait là. On verra bien, hein. on va vite voir si c'est la bonne épreuve ou pas. Hein. Non, pire, dans tous les cas, on fera pas demi-tour. Hein. Saloperie. Saloperie de grenouille. Alors, un défi, ça te dit? Salut, ami héros, j'attendais ta venue. C'est ici que va se dérouler la plus difficile des épreuves Kurogu, l'épreuve du feu. Pour réussir, il suffit d'atteindre l'arrivée avec le set d'armes de l'épreuve toujours équipé. Tu veux essayer? Ouais. C'est parti, mon kiki. Tu dois toujours avoir l'épée, l'arc et le bouclier équipé. Si tu en casses ou en enlèves un, c'est raté. Oh mince, on dirait que ta sacoche est pleine. On dirait que on ne pourra pas commencer l'épreuve tant que tu n'auras pas de place pour une arme, un arc et un bouclier. Qu'est-ce qui me manque? Ah ouais. C'est ça que je voulais faire. C'est très bien. Allez, go. Ouais, non, il nous donne l'équipement. C'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça que je voulais en profiter, vu qu'on avait fait de la place pour essayer de la faire. On avait déjà récupéré trop d'armes. On est déjà en problème, d'armes. L'arrivée, c'est le sanctuaire qui se trouve jusqu'au bout. Allez, va, ami héros. Ouais. Donc évidemment, le but étant que nos armes ne se pètent pas, ne se brûlent pas, sans qu'on les enlève. Notre ami va être la bombe. Moi, mon meilleur ami, ça va être la bombe. Surtout contre ce genre d'ennemis, quoi. Normalement, il faut arrêter de déconner. Bon, hein. Respecte-moi un minimum le jeu, quand même, s'il te plaît. Juste un peu. Touk, touk, touk. Ouf. Ok.
Pour l'instant, c'est relativement simple. Hein. Mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas des ennemis de feu dans la gueule. Faut le dire aussi. Hein. Ah. Oh mon dieu, tout se loot. Tout se loot. Je veux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ça l'a pas tué. Putain. Voilà. Non, j'ai trop peur que ça me TP. Flèche. Ok. Bon. Voilà, voilà, ça y est, ça arrive. Les vrais ennemis relous. Oh putain! Voilà, les ailes de feu, on les récupère quand même, par contre. Je sais pas si la méthode speedrun marche aussi. Oh, j'ai détruit le... Oh, trop bien. Oh non, 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 non. Mais quoi, vraiment? Voilà. Bon, déjà, eux, c'est fait. Non, pas au début, s'il te plaît. Ah mais il y a peut-être plus d'ennemis. Peut-être plus d'ennemis. C'est pas impossible. Bon, il n'y a plus l'air d'avoir les ennemis. Ok. Bon, ça va. Bon, en réalité, ça va. C'est juste pénible. Tiens, on va prendre un truc tempo. Parce que quand on se balade, autant aller plus vite dans nos déplacements. Ok, bon là il y a un coffre. Évidemment, là il y a une saloperie. Ok. Épée des Sylvains. Voilà. Oh, il y a encore une saloperie. Je l'ai entendu. Mais je crois que le round final est ici. Hein. What the fuck? Hein? Pourquoi c'est en moi? Voilà. Et là, c'est le round final. Voilà. Ce serait bien de toucher à la tête. Ce serait bien de toucher. Mais bordel. Merci. Et merci du coup. Et merci à lui du coup. Parce que là, bon bah. Macari. T'as atteint l'arrivée! En fait, j'aurais juste dû attendre qu'il tire et puis basta, j'aurais pas dû gâcher de flèches. Maintenant, va, héros, ta récompense attend au sanctuaire. Ah, au fait, s'il a envie de prendre, vouloir repasser cette épreuve, va même voir, promis? Voilà, voilà, c'est tout. Oui, si tu veux revenir.
Mais la récompense, elle est là, quoi. Ok. Allez. Bon, voilà, il nous restera une épreuve. On la fera pas tout de suite. Là, on va aller à Elimite. On va aller à Elimite. On va prendre la quête qu'on a à Elimite. Enfin, voir les quêtes, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, en vrai. Et... voilà. Et après, on verra. Après, je pense qu'on se dirigera... on se dirigera quelque part. Je sais pas encore. J'hésite. Peut-être mieux en... Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est peut-être mieux qu'on aille chez les Aura. Mais en même temps, j'ai quand même envie d'aller chez les Gerudo. J'ai quand même envie d'aller chez les Gerudo. J'aimais bien cet endroit. Donc je sais pas trop. Mais bon, ce serait plus safe hein, d'aller chez les Goron. D'aller chez Zora. Donc Elimite. Elimite. Voilà. Hein, après ces petites transgressions, retournons à Elimite. Et ouais. Je sais pas. Pour le coup, c'est vrai que je suis en mode. Je sais pas vers où je veux aller au niveau des créatures divines. Je sais pas voilà. Genre. Il y a des bons arguments de chaque côté. Hein. Je sais pas. J'ai limite envie de garder les auras pour la fin en fait. D'un côté, j'ai assez envie de les faire, mais en même temps, je me dis ah, pourquoi pas les garder pour la fin. Pire idée, hein, mais bon. Oui. Je me rappelle plus du village. Je me rappelle plus. Hé, un problème petit? Trouver un truc super incroyable, tu veux voir? Ouais, vas-y. D'accord, alors tu dois me suivre. Je te suis, hein. Qu'est-ce que ça va faire? Il va où? Je vais montrer ma maison? Non. Ah, mais oui! Ah bah oui. Lol. MDR. On va montrer ça. Ouais, non mais j'en ai parlé en plus tout à l'heure. J'ai évoqué ce truc-là. Et voilà, ta dame, c'est trop bien, non? T'as vu, on dirait la statue qu'il y a chez le chef. C'est quoi ton avis? C'est la bonne ambiance. Tiens, c'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Tu parles? Lol. tu arrives à m'entendre? Ouais. C'est inattendu. Tu es venu prier pourquoi? Vivre le plus longtemps possible? Devenir riche? Un classique celui-là. Quoi qu'il en soit, tu as frappé à la bonne statue. Autrefois j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence que tu vois là. Depuis, les villageois disent de moi que je suis la statue du diable. Ces misérables laissent carrément la fiente d'oiseau me recouvrir petit à petit, sans même sourciller. On pourrait croire qu'avec un tel traitement, j'aurais fini par regretter mes actes passés. Que dalle. J'ai pris mon mal en patience et attendant que quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entende. Quelqu'un comme toi, quoi. Ah, ça a fait du bien de vider son sac de temps en temps. Bien, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas. Laisse faire le pro. Non mais pas... Connard. Je m'épate moi-même, vise un peu le boulot. Pour élever ce réceptacle sans laisser la moindre trace. Ouais mais non mais rends. Tu croyais que j'allais t'anarquer, c'est ça? Ce serait vraiment pas dans mon intérêt. Bon, lequel tu veux. Je l'ai déjà sûrement dit, mais je donne dans la vie et la force. Je vais te rendre le réceptacle que tu m'as confié. Tu as juste à choisir le type que tu veux, cœur ou endurance. Mais connard, pourquoi tu pouvais pas prendre l'endurance? Ça marche, bouge pas. Voilà, à boule.
Tu as l'air sceptique, il y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, faudra allonger l'oseille. Voilà comment ça va se passer. D'abord, tu me vends un réceptacle pour 100 rubis, n'importe quel type, je m'en fiche. Ensuite, tu veux le récupérer, tu me files 120 rubis. Je te laisserai choisir ce que tu veux en faire, un réceptacle de cœur ou d'endurance. Alors, si t'as envie de parler, de faire affaire avec moi, hésite pas à revenir prier, ok? Je bouge pas d'ici. Voilà, voilà comment on peut avoir plein de cœurs, en échangeant nos réceptacles d'endurance. Donc je pourrais faire ça, hein, techniquement. Mais je le ferai pas. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, parce que vous avez vu, ça coûte 220 rubis par transfert. J'ai pas envie de dépenser autant de rubis, hein. Clairement. Oi. C'est quoi cette tenue? Non mais calme-toi. Salut les enfants. Salut. Alors tu viens du monde lointain, toi? Et puis t'as plein d'armes, ça veut dire que t'es super fort, non? Oh, je me débrouille, ça va. T'as l'air d'avoir beaucoup voyagé, toi. Tu dois connaître plein d'armes différentes, pas vrai? Alors dis, tu voudrais bien exaucer les rêves d'un petit garçon, et ce petit garçon, ce serait moi, d'accord? Mon grand-père, il était un passionné d'armes, et il est mort avant d'avoir pu toutes les voir. Alors s'il te plaît, montre-moi les armes que je te dis, et alors ensuite, je pourrais tout raconter à mon grand-père. Ouais, vas-y. Mon grand-père au ciel, il sera content. Par contre, on pourrait commencer. T'as entendu parler de l'épée de voyageur? Ouais, j'en ai une sur moi depuis 150 ans pour ça. Ça, c'est un truc que j'ai vu dans mon livre, mais j'en ai jamais vu en vrai. Alors, si tu trouves cette arme, montre-moi, là, moi. Non, mais j'en ai une. Oh, hein. Je reconnais ce truc, ce serait pas une épée de voyageur? Chouette, chouette. Je veux voir, je veux voir. Mais oui. Ouais, vas-y. Garde, c'est une épée de voyageur. Avec ça, je peux te couper en deux. Ah, c'est encore mieux en vrai. Ah, faut absolument que j'en parle à mon grand-père dans le ciel. Merci. Faut pas que j'oublie de te donner mon cadeau de remerciement. Vas-y, prends. Mon grand-père m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrerait des belles armes. Alors la prochaine arme que j'aimerais voir, laquelle? Celle-là. T'as la baguette de feu. S'il te plaît, montre... Attends. Ah, j'en ai pas. Voilà, bon, c'est pour ça. Hein. C'est pour cette quête que je suis... Bon, du coup, on peut jeter cette épée de voyageur. On pourra s'en débarrasser. Non, mais on a dit qu'on avançait vers... Ah, mais du coup... Du coup, go... Ouais, du coup, go les... go les Gerudo, hein. Du coup, let's go Gerudo, hein. Bon, il y a sûrement d'autres quêtes à prendre, en fait, au village des limites, mais... On se rebaladera, on y retournera. De toute façon, à la limite, il y a des trucs qu'on doit faire. Mais... Après, en vrai, on pourrait aussi se dire, on va chez les Gourons pour trouver un mec qui a un nom qui finit en yé pour qu'il rejoigne Grosaillier et Associé, là. Ça peut être une strat aussi, hein, parce que là, on va chez les Gerudo. De toute façon, le temps qu'on aille chez... Enfin, le temps qu'on arrive chez les Gerudo, de toute façon, ce sera écoulé un certain temps. Là, je prends des dégâts de froid, hein, c'est sûr, voilà. Et on y est direct, hein, dans le désert. Mais il y a un sanctuaire, là. Je reconnais. Je reconnais cet éclat orangé. C'est un sanctuaire. Non, mais tu peux pas sortir du froid? Merci. Ok. Oh, très bien. Il n'y a pas de Kourou ici. Mais là, il y a un sanctuaire et je suis content. Oh, il y a un inox. Enfin, l'inox aussi. Bah ouais. Petit inox. Donc je pense qu'on va aller chez les Gerudo. Ensuite on va faire un petit passage chez les Gorons. Et ensuite on refinira les Gerudo. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Pont suspendu de Digdo. Ok, on l'a déjà en photo. Alors, niveau des armes. J'ai cette arme qui... Alors, le bouclier des Sylvains. Ah, voilà, l'arc des Sylvains. On va prendre en photo tous les trucs avant que ça se casse. Non mais... Tu veux pas prendre... Voilà. La pire photo
Mais on s'en fiche. Bon, allez, go. Et pose ta main. Pose la papoune. Pose la papoune. Voilà. Là on, monte en difficulté. Donc là on attend. On attend tranquillement, se remémorant chaque instant. Bon, il peut bouger sa main. Pénible. Ouais, il attend que mon effet de speed se dissipe. Un cimetière du clair de lune. Ah, j'ai plus de place. Ok. Alors, on n'a plus rien. Qu'est-ce que je fais comme qu'est-ce que je prends comme truc? En fait, j'aurais bien aimé prendre un truc qui augmente l'attaque ou la défense, mais ah, j'ai ça. Mais c'est 50 centimes. 50 centimes. C'est 50 secondes. 50 centimes, bordel. Non. Mais non. Voilà. Une carpe grillée. Bon, ça va, hein, ça a été. C'est pas si compliqué que ça. Le seul truc, c'est que je pense que lui, par contre, pour le coup, il doit bien one shot, bien comme il faut. C'était ça que je voulais faire, ça. Et ça. Les pires photos. Mais on s'en fiche, au moins c'est en photo. Je crois que je l'ai eu. Voilà. On fait des photos, on est bien. On va faire le sanctuaire, on va s'arrêter. Sanctuaire de Dakasso. Allez. Non mais comme ça moi je pense que ouais, je pense que c'est pas mal parce que finalement les Gorons n'est pas si loin que ça. En vrai. On a un TP pas très très loin. Je crois qu'on a le relais au pied de la montagne. Notamment. Et chez les Gerudo, voilà, on n'a rien. On n'a rien du tout. Donc, pour épreuve basique de force, je m'en fais pas des masses. Pour être honnête avec vous. Bon, déjà, oui, je l'ai en photo. Ensuite, on va sortir du coup. Voilà, on va utiliser l'épée du voyageur. Et on va lui faire 0 dégâts. Voilà. Ça c'était juste pour dire qu'on utilise l'épée. La torche ne me sert à rien aussi. Ok. Putain, il s'est pris la boule en plus. Ah, ça lui a pas fait d'électricité. Ah. Bon, ça va, ça se sera bien passé. Non, les basiques, de toute façon, je m'en fais pas trop parce que c'est pas des ennemis qui ont beaucoup de vie. C'est pas des ennemis qui peuvent faire très très mal. Donc, globalement, on est safe. Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est jamais. C'est jamais quand même. Allez. Cœur antique. Faut qu'on retourne d'ailleurs voir. Bah du coup là on a tout fait avec Proa. Attendez, Proa. C'est Pruya ou Pruya? C'est laquelle? Bah avec la scientifique. Il y a. J'ai plus le nom. Il y a l'autre scientifique. Celui d'Akala.
Lui, par contre, il faut qu'on, qu'on voit, parce qu'on peut peut-être lui acheter des trucs maintenant. Parce que bon, il y a des trucs de tenue, donc ça nous sert à rien. Mais il y a des trucs utiles pour nous. Eh oui. C'est vrai que j'ai pas encore utilisé de flèche archéonique non plus. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est voulu. Ouais. Ah oui, et tiens, pouvoir qu'on n'a pas du tout utilisé de l'épisode, alors que pourtant il est trop bien et c'est le meilleur pouvoir. Voilà. C'est vrai qu'on a ça maintenant. Sauf que comme il pleut, bah c'est de la merde. Oh non. Oh, ça c'est un truc de Kourou, quoi. Allez, atteins le rivage. Je pense que tu peux y arriver. Je pense que tu peux le faire, Link. Oui. Oui. Voilà. Allez. Voilà. Simple, efficace. Kourougou. C'est que c'est le premier Kourougou qu'on a aujourd'hui, par contre. Alors là, par contre, le pouvoir du coup de Revali est en train de se recharger. Donc c'est un peu la merde. Tant le dire. Tant le dire que c'est un peu la merde. Ok. Non mais par contre, putain, tu veux pas... Il veut pas rester stable, hein. Ok. Juste j'essaye d'aller... Ah mais je... Alors c'est pas dans cette direction, c'est dans l'autre direction. C'est par là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pénible. Ah ouais, du coup c'est pénible en fait. Ouais. Là je voulais aller. Bon, on va juste quand même s'arrêter à l'entrée de la forêt Gerudo. Je fais un décalage. J'ai trop peur des flèches. Si l'arc est suffisamment vénère, il me défonce. Ok. Voilà. Il y a encore un Kourougou comme ça là-bas. C'est la fête. Hein. C'est la fête. Pour l'instant ça se passe. Pour l'instant ça se passe. Ok. Voilà, petit Kourougou encore. Ça... On se refait une réserve de noix Kourougou lentement, mais sûrement. Puis bon, voilà, quand on en aura plus, on retournera voir Noya et on essaiera de voir ce qu'on peut choper. Mais évidemment, on va pouvoir choper de moins en moins d'améliorations au fil du temps parce que ben, ça demande énormément de noix Kourougou hein, de tout améliorer, de toute façon. Donc ça, c'est un peu le truc relou, mais bon. Non, no. Allez, on y est presque. Ah, mais ça y est, il pleut plus. Oh, c'est bon. C'est bon. Ah non. Ah bah non, c'est pas bon. Mais non, mais c'est pas possible. Mais je demande. Non, ça y est, il repleut plus. Oui, non, il repleut plus. Très bien. Voilà, entrée du canyon Gerudo, nous y sommes. Ah bah, bonne ambiance. Bonne ambiance, attendez. Voilà. Oh.
Ah. Oh ! Trop fort ! Trop fort le cheval. Le cheval qui a bolos. Ah, ils ont pas de... Non mais donnez-moi des flèches. Saloperie. Très bien. Bah écoutez, voilà, on est à l'entrée du canyon Gerudo. Une nouvelle zone de la map s'offre à nous. Et ça va être cool. Parce que sympa. Non, j'aime bien la zone en plus. Pour le coup. Même si ça va pas être la zone la plus facile à traverser. À mon avis. On est quand même des beaux moments. Je pense qu'on va s'amuser ici. Allez, hop. Juste on va se faire la tour de mob là. Parce que j'ai envie. Pas que j'utilise de flèche. Il a looté des flèches. Putain. Putain. Mais oh, pourquoi tout cela n'arrive qu'à moi? Ah, salut. Ouais, salut. Un coup. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Enfin, un coup. Un cœur, hein, le coup. Voilà. Et lui qui a une arme, autant vous dire que ça va pas être la même. Hein. Oh non. Ouais, ils sont curieux, hein. Trop bien. Le petit. La petite photo. Et bah du coup on va juste voilà, on va se mettre devant le sanctuaire et on va vraiment s'arrêter pour le coup. Quoique même là je pense que ça passe. Hein. Bah voilà, bah en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Il y avait pas de coffre là-haut. Pas fait bien attention mais... C'est vrai qu'il y avait pas de coffre. Hein. Voilà, oh non, au secours. Donc ouais, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite du Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Faut qu'on achète des flèches. Sachez-le. Faudra qu'on achète des flèches. C'est vrai que ça, c'est la zone des coffres enterrés aussi. Les coffres dissimulés avec le sable et tout. Trop stylé. Je vais juste se poser devant le sanctuaire pour pas que j'oublie la prochaine fois que je lance le jeu. Qu'on était devant un sanctuaire. Parce que sinon, ce serait con. Ouais, on continue, hein. Allez, on s'en va. Et au revoir le sanctuaire. Très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour la suite de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Quels sont les challenges? Toujours pas mort. Toujours pas mort. Deux épisodes en tout cas. Il nous reste 12 vies, hein, si je dis pas de bêtises. De ce que j'ai noté. Ah non, de ce que j'ai noté, il reste 11 vies. Ah, bah, hein. Non, 12. Ouais, 12. Donc ça... Pour l'instant, ça va. Pour l'instant ça va, mais peut-être que de vrais problèmes vont arriver. Je le souhaite pas, hein, mais voilà. Hein. On n'a pas encore terminé le let's play, hein, clairement. Bref, portez-vous bien. Bye bye.